Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les programmes entre le 7 et le 13 novembre prochain. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence donc cette vidéo avec le samedi 7 novembre prochain sur TF1, vous avez rendez-vous avec Mask Singer, c'est la suite de la saison 2, présentée par Camille Combal en inédit. Sur France 2, vous avez rendez-vous avec Boyerland, présenté par Olivier Mine, c'est une spéciale Halloween, une semaine après, oui bon, c'est normal on va dire. Mais voilà, en tout cas, c'est un Boyerland spécial Halloween, notamment en invité, il y aura notamment Théora de Koh-Lanta. Sur France 3, vous avez Commissaire Magellan en inédit. Sur France 5, votre magazine Échappée Belle sera diffusé en inédit. Sur M6, vous avez rendez-vous avec la série The Rookie, le flic de Los Angeles. C'est la suite de la saison 2 et deux épisodes inédits pour cette nouvelle soirée. Sur TFX, enfin, vous avez rendez-vous avec Chronique Criminelle, présentée par Julie Denayer. C'est de l'inédit, là aussi. Le dimanche 8 novembre prochain, sur TF1, vous avez rendez-vous avec le film Deadpool 2, présenté, enfin, en tout cas, avec la voix de Ryan Reynolds. C'est de l'inédit pour le film. Sur France 3, vous avez rendez-vous avec les enquêtes de Vera. C'est la suite de la saison 10 avec un seul épisode inédit pour cette nouvelle soirée. Sur M6, c'est le retour du magazine Dossier Tabou, présenté par Bernard de la Villardière, intitulé « Violence contre les représentants de l'État aux racines de la haine ». C'est un numéro inédit présenté par donc Bernard de la Villardière en prime time. Et enfin, sur France 3, vous avez le retour de Thalassa, présenté par Sabine Quindou, que vous connaissez peut-être dans C'est pas sorcier, qui sera diffusé à partir de 15h15 sur la chaîne de France Télévisions, et deux numéros inédits seront diffusés à la suite. Le lundi 9 novembre prochain, sur TF1, vous avez rendez-vous avec le téléfilm français Au-dessus des nuages. C'est de l'inédit pour la chaîne. Sur M6, vous avez rendez-vous avec L'amour est dans le pré, avec la suite de la saison 15 et deux épisodes inédits. Sur TMC, vous avez le retour de la saga Star Wars, avec l'épisode 2 L'attaque des clones qui sera diffusé. Sur TFX, vous avez rendez-vous avec Appel d'urgence présenté par Hélène Manarino. Et enfin, sur Energy 12, vous avez Crime présenté par Jean-Marc Morandini. Et en journée, sur Sister, vous avez le retour de votre docu-série Les Mamans à partir de 18h40 pour trois épisodes inédits pour cet épisode de lancement. Et après, là, l'émission passe à un seul épisode inédit à partir de 20h05. C'est à partir du mardi, du coup. Justement, le mardi 10 novembre prochain, sur TF1, vous avez le retour de la série Manifeste pour la saison 2, avec deux épisodes inédits pour cette nouvelle soirée et première soirée. Sur France 5, vous avez rendez-vous avec Le Monde en Face, quand l'hôpital retient son souffle, raconté par Benjamin Biolay, c'est de l'inédit pour la chaîne. Sur M6, vous avez rendez-vous avec La France a un incroyable talent, et la suite de la saison 15, présentée par Karine Lemarchand. Sur W9, vous avez rendez-vous avec un documentaire qui s'intitulait Incendie de Notre-Dame de Paris, que s'est-il vraiment passé? C'est le magazine de Nathalie Renoux en inédit. Sur TMC, vous avez rendez-vous avec le magazine 90 minutes enquête, présenté par Tatiana Silva en inédit. Et on retourne sur TF1, mais cette fois en deuxième partie de soirée, juste après Manifeste, avec Blind Spot, la suite de la saison 4 qui sera diffusée. C'est même le lancement de la saison 4 qui sera diffusée à partir de 23h35 pour deux épisodes inédits. Le mercredi 11 novembre, sur TF1, vous avez rendez-vous avec Grey's Anatomy et la suite de la saison 16 et deux épisodes inédits. Sur France 3, vous avez rendez-vous avec Des Racines et des Ailes, présenté par Carole Gessler. Sur France 5, ce sera La Grande Librairie, présentée par François Brunel. Sur M6, vous avez rendez-vous avec du football et France-Finlande qui sera diffusé, commenté par Xavier Domergue et Robert Pérez. Sur C8, vous avez rendez-vous avec le magazine Enquête sous haute tension, présenté par Carole Rousseau. C'est de l'inédit. Sur W9, c'est un magazine là aussi qui sera diffusé, mais cette fois de faits divers, présenté cette fois là par Nathalie Renouf, et c'est Enquête Criminelle évidemment, c'est de l'inédit pour la chaîne. Et on retourne sur M6, mais cette fois en deuxième partie de soirée, avec le documentaire Antoine Griezmann, Itinéraire d'un champion déraciné, qui sera diffusé à partir de 23h05 en inédit sur la chaîne, juste après le match.
Le jeudi 12 novembre prochain sur TF1, vous avez rendez-vous avec le lancement de la saison 3 de Balthazar, avec Thomas Sisley dans le rôle principal et deux épisodes inédits. Sur France 2, vous avez rendez-vous avec Envoyé Spécial et Élise Lucet pour un nouveau numéro inédit de son magazine. Sur M6, vous avez comme d'hab rendez-vous avec votre série 911 Lone Star, c'est le spin-off de la série, vous le savez, et deux épisodes inédits. Sur C8, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro de La Grande Rassra, en live cette fois, présenté en inédit par Cyril Hanouna. C'est donc en fait une suite du prime de La Grande Rassra qui a été diffusé la semaine dernière. Sur TMC, vous avez rendez-vous avec 13 novembre, Fluctuate Neck Merger Tour. C'est le documentaire de Jules et Jérôme Noden qui était en fait de l'inédit. En fait, c'est le documentaire de Netflix sur le 13 novembre qui sera diffusé pour la première fois et en inédit sur en fait la télévision en France. Et enfin, sur TFX, vous avez rendez-vous avec du football, avec un match amical dont l'affiche n'est pas encore communiquée par la chaîne. Allez savoir. En tout cas, vous avez rendez-vous avec du foot le jeudi 12 novembre sur TFX. Et enfin, le vendredi 13 novembre prochain sur TF1, vous avez rendez-vous avec Koh-Lanta, présenté par Denis Brognard en inédit, c'est la suite de la saison 22 évidemment. Sur France 2, vous avez rendez-vous avec Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Sur France 3, ce sera un nouveau numéro de La Boîte à Secrets avec Faustine Bollard. Ce sera pour les invités, vous avez Anne Romanoff, Amir, Vincent Niclot. C'est de l'inédit, en tout cas, sur la chaîne du service public. Sur France 5, vous avez rendez-vous avec La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault en inédit. Sur M6, ce sera Série Américaine avec la saison 17 de NCIS et un épisode inédit pour cette nouvelle soirée. Sur C8, ce sera Spectacle, cette fois, et Humour, avec Bonne Nuit Blanche. C'est le spectacle de Blanche Gardin en inédit sur la chaîne. Sur W9, vous avez rendez-vous avec Enquête d'Action et Marie-Ange Casalta qui sera diffusée. Et enfin, on retourne sur TF1 en deuxième partie de soirée pour un nouveau numéro inédit de Cuisine Impossible avec Juan Arpélez et Julien Deboué. C'est à partir de 23h10. Les deux chefs s'envoleront notamment pour Singapour ou encore en Allemagne. Et donc, ce sera diffusé le vendredi 13 novembre, juste après Koh-Lanta, pour un nouveau numéro inédit de Cuisine Impossible après l'échec rencontré en prime time cet été. Voilà donc pour les programmes entre le 7 et le 13 novembre prochain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.